tous, Morgan Meets The Eye de Yodelis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer dans cette chanson, en fait, je vais décomposer la chanson en trois parties. On va avoir l'intro plus le couplet qui ressemble à ça. Ensuite, on aura le refrain. Et on aura aussi une sorte de pont. Et donc en fait, ce morceau, le premier riff, je vais commencer par l'intro, il n'y a pas de capo sachant dans cette chanson. Et là, c'est ma case 5, pour qu'on, je vais essayer qu'on voit un peu mieux, on peut qu'on voit aussi la main droite. Voilà. Donc en fait, on joue tout sur le riff se joue sur une pentatonique de la mineur. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est 5-8. C'est la première position. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Ensuite, on va reculer sur la cinquième position. Et donc, en fait, le premier riff va faire. On va jouer 5, 7 avec le troisième doigt en slide. Et ensuite, on va faire. On revient en case 5 sur la corde de La toujours, avec le premier doigt, et 8-5 sur la corde de Mi grave, avec auriculaire et premier doigt. Donc ça c'est le premier riff. Et ensuite on finit par deux coups sur un La 5ème, c'est-à-dire c'est une power chord. On joue l'index en 5ème case sur la corde de Mi grave, et auriculaire annulaire, annulaire-auriculaire, pardon. En case de 7 sur les cordes La et Ré. Et on joue que 3 cordes graves en fait. Donc ça donne ceci au ralenti. Ça c'est la première partie du couplet. Ensuite, la deuxième partie ce sera ça. On reste toujours sur la pentatonique de La mineur donc. On fait 4-3 sur la corde de Mi grave. On vient jouer en case 5 sur la corde de Mi grave, toujours avec l'index. L'auriculaire en case 8. Avec sur la corde de Mi grave toujours, et on joue et on revient en case 5 pour finir la basse, et on finit pareil sur le La 5 deux fois, donc ça donne ceci. Vous pouvez aussi le faire en jouant, au lieu de jouer la case 8, faire 5, faire 3-5 sur la corde de Mi grave et venir jouer la case 3 sur la corde de La. Mais là c'est plus difficile parce qu'il faut revenir. Du coup ça donne ceci. Alors que si on fait en jouant sur la corde de Mi grave, on a déjà l'index qui est placé en case 5. À vous de voir après. Donc voilà pour ça c'est le couplet, ça va revenir toujours dans ce sens. Et ce sera ça, on va répéter ça un certain nombre de fois, vous écouterez avec la musique. Donc j'en commence au ralenti, tout le riff ça donne ceci. Et pour finir, avant d'attaquer le refrain, on fait deux coups vers le bas. Au bas haut, on finit sur au bas haut. Et on va attaquer le refrain. Donc le refrain, donc ça fait, on finit comme ça. Tac, tac, au bas, haut. Et là le refrain, en fait, on va avoir un do, mais en huitième case.
Donc en fait c'est comme un fa mais en huitième case, donc ça fait 8, 10, 10, 9, 8, 8. On va jouer. Et là en fait on fait cette rythmique. Sachant que peut-être ça sera pas la même rythmique que je joue dans la cover, mais ça fait pas longtemps que je la connais, j'ai fait un peu comme ça, mais ça ressemblerait plus à ça. On va avoir un sol, pardon, en troisième case, donc comme le fa mais en troisième case, pareil, bas, 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 au bas, haut, et on revient sur le la cinquième. On joue trois fois apparemment cette fois. On fait la première descente de basse, donc ça donnerait ceci le refrain. Descente de basse, on rejoue bas, bas et ensuite au bas, haut, et on refait une fois le refrain. Donc et la première, une fois qu'on a fini le premier refrain, on finit juste sur ça, sur la cinquième case, sur la corde de mi grave. Donc le refrain en entier, ça donnerait ceci. Donc on finit comme ça. Il commence à chanter, sauf que pour le deuxième couplet, enfin la deuxième fois où on va attaquer le couplet, on va pas faire cette descente de basse, on va directement jouer. Et à partir de la deuxième fois, vous la faites. Mais au début, il commence à chanter, vous faites juste. Ensuite, bon, une fois que vous rattaquez le refrain, sauf que cette fois il va le jouer 4 fois, il me semble. Fini à quatrième fois le refrain, on va avoir le pont. En fait, on va jouer un fa, mais en huitième case, c'est-à-dire c'est comme un do barré, c'est-à-dire comment ben, je vais vous dire les notes plutôt. Donc en fait, moi je barre avec l'auriculaire, voilà, vous voyez, sur les trois cordes. Donc en fait, un fa en barré en huitième case. Donc on a la première corde qui est mute, ensuite on a 8, 10, 10, 10. La dernière corde, c'est soit 8, soit oui, 8 fois et mute, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Une fois et mute. Donc c'est un fa en barré. Ensuite, on va descendre d'une case pour avoir un que je dise pas. C'est un mi majeur. Donc en septième case. Pareil que le fa mais en septième case. Un mi majeur. Donc. Ensuite, on va avoir, je crois que c'est. Je vérifie. La tablature, je l'ai là. Ce serait un sol, mais un sol en dixième case. Donc on a 10. Donc en fait ce que j'ai, c'est que j'ai 10, 12, 12, 11, 10, 10. Ça c'est un sol. Et on finit sur un do, je crois. Mais un do en pareil en huitième case. Je revérifie. J'étais dessus. Donc c'est bien ça. Do. Apparemment. Donc on aurait 8, 9, non pardon, 8, 10, 10, 9, 8, 8. Ça c'est pour la première partie du pont, donc je fais ceci. Et là on fait juste, on arpège les cordes en fait, on descend comme ça. Une fois chaque accord. Donc ça c'est une fois. On revient sur le la cinquième. On joue trois fois et on fait la descente de basse. Et pour la deuxième fois, donc on fait toujours le fa suivi du mi majeur. Sauf cette fois, on vient faire un sol et un sol dièse. Cette fois, le sol, je le fais en troisième case, moi en barré. Et le sol dièse, donc on déplace d'une case. Et on revient sur le la cinquième pour finir. Thank you.
va réattaquer cette partie et enchaîne direct avec le refrain. Donc, je sais pas si c'est clair, je vais recommencer une fois le pont. Ça c'est la première partie. Sur le refrain. Donc je vais essayer de juste de refaire les trois parties distinctes, donc couplet, refrain, au ralenti, vite fait, pour récapituler le tout. Je vous mettrai la tablature de toute façon dans les infos. Pas une chanson forcément facile à jouer, en fait c'est même sûr, elle est pas facile à jouer, en tout cas la jouer comme ça. Et mais bon, elle est intéressante. Donc le couplet, je ne me trompe pas. Vous pouvez la faire comme ça d'ailleurs, rythmique. Sinon, ça, pour respecter plus le rythme du morceau, ça serait. C'est pour le refrain. Et là, pour le pont donc. Pour la chanson, donc amusez-vous bien, j'espère que ça vous sera utile. C'est peut-être un peu confus, mais je sais ce que je peux.